Voilà, j'ai été trouver le petit chariot. Et on reprend la marche vers l'autre côté de l'écluse. Et on met définitivement Vienne derrière soi. C'est quelque chose d'hyper réconfortant et encourageant quand on voit la flotte comme ça qui s'écrase sur la bouée et qui crée, on voit la force du courant, ça veut dire qu'on va super vite même quand on pagaye pas. Ça y est, on voit la soucoupe volante là-bas. Derrière le pont, il y a le château. Je suis à Bratislava et j'ai réussi à faire ça avant 18h. Il n'est même pas 17h à vrai dire, il est 16h30. Il y avait un courant de malade, un fort courant. Donc j'ai fait 63 km, j'ai battu mon record de kilomètres. Et je crois que je vais encore pouvoir en faire au moins 10. Facile avant d'être... Je ne suis pas crevé du tout. Enfin, il faut dire je suis bien reposé, bien nourri depuis 4 jours. Et j'ai plein de provisions, j'ai plein d'énergie. Je vais pouvoir pagayer vraiment, vraiment beaucoup. Je vais exploser mon record. À peu près 20 km au-delà de Bratislava, il y a le Danube qui s'élargit à fond de balle en une espèce de gigalac, on dirait presque une mer. J'ai cru qu'un putain de portail m'avait fait arriver à Istanbul, au Bosphore, par magie. Et il y avait une méga brume, j'y voyais rien du tout. Regardez, ça devient vraiment large, quoi. La brume vient de se lever, un petit soleil, et donc j'ai dégainé le panneau solaire. Et là, on va essayer de faire 20 avant midi, mais bon sang, c'était pas très rapide et j'avais un vent dans la tronche qui m'envoyait des vagues comme ça dans le bateau et ça rentrait même dans le kayak, quoi. Normalement, quand ça se rétrécit, le courant devrait être meilleur, donc j'ai hâte d'y être. Voilà, je suis sorti de l'eau, là j'ai fait que 30 km depuis que j'ai commencé ce matin parce que j'ai un vent de face qui n'arrête pas et je me suis engagé dans un canal, il y avait moyen de continuer ou de sortir à une première écluse ou de continuer jusqu'à une deuxième et ne sachant pas trop à quoi j'avais à faire, j'ai continué et c'est un grand canal qui est bétonné des deux côtés, il n'y a vraiment pas d'endroit où s'arrêter tranquille. Et j'ai des vagues dans la tronche, regardez le courant, il va par là normalement. Et avec les vagues et le vent, on dirait qu'il va dans l'autre sens, quoi. Je n'avance pas. Donc j'ai décidé de sortir, je vais tout remballer et marcher un petit peu jusqu'à ce soir. Et je vais rattraper un peu mon... Je vais avancer plus vite en marchant, quoi. Sorti de ce canal de malheur, j'ai envie d'être en mouvement. Alors j'ai décidé de sortir, je marche un peu le long ici. Vers 3 km, il y a un café, un bar, je vais aller peut-être me prendre une bière. Il faut voir s'ils acceptent les euros, parce que je n'ai plus que des euros. Ou s'ils prennent la carte, on verra. Ce canal-là, c'est n'importe quoi, ce vent. J'ai vraiment, pendant un temps, j'arrêtais pas de me dire, mais je me suis trompé, je suis dans un endroit où il faut pas être. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut pas être là. Et les deux berges sont bétonnées. Je n'ai pu sortir que par un escalier de service vraiment glissant et... pas évident, j'ai eu peur d'abîmer le kayak. Donc voilà, j'ai tout remballé. Le seul bémol, c'est que je perds un max de temps quand je remballe tout comme ça. Il m'a fallu 45 minutes pour tout remballer, quoi. Mais bon, au moins je suis en mouvement. Parce que batailler contre, c'est se fatiguer pour rien et... Là, j'aime pas ça, il faut être en mouvement, sinon je suis pas heureux.